Nous sommes co-organisateurs de cet événement de la deuxième édition du Grand Phtor du Cœur et des Sens. Nous sommes très ravis de partager ce phtor avec à peu près 1500 personnes ce soir. Et encore, on est plus ravis que ça soit fait pour le bénéfice de l'association SOS Village qui a énormément de projets dans la région de Haouz pour aider justement à reconstruire des écoles au profit des jeunes. Aujourd'hui, je suis très content d'être là dans cette initiative, le plus grand phtor d'Afrique, 1500 convives invités pour soutenir SOS Village qui vont, Inch'Allah, construire ou reconstruire les écoles qui ont été touchées par le séisme Al-Haouz. Aujourd'hui, je suis maître de cérémonie, donc j'ai accepté de venir bénévolement, gracieusement, pour soutenir à mon niveau l'événement, la deuxième édition. Donc, Inch'Allah, ikoun jdid indiana en tout cas, les gens qui ont dit que l'an dernier, ils m'ont dit que j'aimais le hal, donc soutenons les enfants d'El Haouz. Ce phtor mémorable à Marrakech s'apprête à accueillir la deuxième édition du phtor des sens et des cœurs. Et je rajouterai même du partage. Cet événement n'est pas qu'un simple repas. Cet événement, il symbolise l'union de notre communauté dans sa quête de progrès et de bien-être collectif. À travers cette initiative, nous réaffirmons non seulement notre attachement aux valeurs de générosité et d'entraide, mais nous posons également un acte concret en faveur de l'éducation de nos jeunes. En effet, tous les dons recueillis pour SOS Village serviront à la reconstruction des écoles dans la région de l'Haouz. Ces établissements que j'aime nommer les chantiers de l'espoir et de l'avenir. Et c'est bien là les générations futures, porteuses de changement et d'innovation. Nous devons participer activement à l'écriture de nouvelles pages de notre histoire, une histoire où la solidarité, l'éducation se trouvent au cœur de notre développement. Marrakech se tient fière, prête à relever tous les défis, armée de générosité. Ce 29 mars, soyons tous acteurs de ce changement tourné vers l'avenir et de nos jeunes et de l'avenir de Marrakech.